Merci d'être resté avec nous. BPCO, quatre lettres peu connues du grand public qui désignent la bronchopneumopathie chronique obstructive. Essoufflement, toux quotidienne, des bronchites à répétition, cette BPCO tue chaque année 17 000 personnes en France et selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, elle sera la troisième cause de mortalité dans le monde. Oui, et si 8% de la population souffre de cette maladie respiratoire, 2 malades sur 3 l'ignorent. Alors avant de répondre à vos questions, un petit rappel, vous allez voir qu'on va quand même vous rappeler comment se passe la respiration pour qu'on voit où est le problème dans la BPCO. Quand on inspire, évidemment, l'air va rentrer, va rentrer dans les voies aériennes supérieures, va descendre le long de la trachée, qui va se diviser en 2 bronches souches, qui vont ensuite se diviser en, bronchioles, qui vont aller jusqu'à l'extrémité vraiment des, poumons, dans ce qu'on appelle les alvéoles. Voilà, vous allez voir ça ici. Regardez ici, vous voyez toutes ces petites ramifications, on appelle ça l'arbre bronchique. Et à l'extrémité, donc, on a ces alvéoles qui sont des minuscules et fragiles vésicules en grappe, entourées par un réseau de vaisseaux sanguins, de capillaires sanguins. Et chaque poumon, il faut le savoir, en contient des milliers. Et c'est dans ces alvéoles que vont se faire les échanges gazeux. Vous le voyez, ici le sang, ici l'air. L'oxygène rentre dans le sang et le dioxyde de carbone, le CO2, va ressortir. On va débarrasser le sang de ces déchets. C'est le principe de la respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la bronchopneumopathie chronique obstructive? Vous avez ici une coupe de bronches normale avec au milieu l'air qui va y passer. Ici, une alvéole normale. Vous voyez qu'il y a des petits sacs, un peu comme dans une ruche. Ça, c'est une BPCO. Non seulement il y a un épaississement de la muqueuse, de la paroi, la bronche va perdre de son élasticité, il y a du mucus que vous avez schématisé ici. Et regardez, au sein des alvéoles, les petites membranes qui séparent les différentes petites poches vont être détruites. Ça peut entraîner ce qu'on appelle un emphysème, on va en parler. Le problème, c'est qu'effectivement, tout ça se passe extrêmement lentement. Et c'est pour ça qu'il y a longtemps, il n'y a pas de symptômes. Et de ce fait, la BPCO est insuffisamment diagnostiquée et traitée. Et puis quand les signes apparaissent, il s'agit d'une toux persistante, expectoration anormale, d'un essoufflement. Et puis au fur et à mesure que la maladie progresse, elle peut être responsable d'une insuffisance respiratoire sévère qui va limiter le moindre effort. Alors sans surprise, c'est le tabac qui est la principale cause de cette maladie, mais ça peut aussi être lié à une maladie professionnelle. On va voir ça avec notre spécialiste, le docteur Gilles Gébrac, qui est pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour. 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 Et on accueille Marie-France Mazot. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors on va parler de votre maladie puisque vous avez maintenant une bronchite chronique sévère. Mais on disait que le tabac était la principale cause. Vous étiez une grosse fumeuse et en plus, vous aviez un métier à risque. Oui, c'est ça ? Je travaillais dans la chimie, dans les produits d'entretien. À une époque où on ne se protégeait pas ? Pas du tout. Hein. Aucun gant, aucun masque, rien du tout. Et vous fumiez combien ? Un paquet et demi, 2 paquets, tout dépendait. Et vous aviez commencé à quel âge ? À 12 ans. Hein. Alors, vous faisiez, avant qu'on fasse le diagnostic, des bronchites en fait à répétition ? À répétition, ouais. Oui. Et à chaque fois, on traitait Pour des bronchites, on me donnait antibiotiques sur antibiotiques. Et le jour où le docteur m'a dit il n'y a plus rien à faire, il faut aller voir un pneumologue. Et là, on a fait un bilan plus complet. Voilà, et c'est là qu'on m'a trouvé donc une BPCO très sévère et je suis ressortie avec l'oxygène. Alors, on va revenir là-dessus. Ce que nous raconte l'histoire de Marie-France, est-ce que c'est souvent comme ça? C'est-à-dire qu'il y a des bronchites chroniques à répétition qui ne sont pas étiquetées BPCO et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on était dans la maladie ou pas? Alors, c'est souvent comme ça. Souvent, les choses sont extrêmement sournoises et de ce fait, le diagnostic arrive très tardivement. Mais il faut savoir que dans un nombre non négligeable de cas, on estime 15% des personnes arrivent directement à l'hôpital en insuffisance respiratoire aiguë. Et là, on est encore plus perdu parce qu'on ne sait pas quelle était la base, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre. Mais c'est probablement l'aspect sournois de cette maladie qui explique qu'elle soit détectée très tardivement quand elle l'est. Est-ce que ça veut dire que quand Marie-France avait ses bronchites comme ça à répétition, on aurait dû faire, peut-être, je ne dis pas pour elle, mais en général, un bilan plus poussé pour pouvoir mettre en route un traitement adéquat tout de suite? Certainement, à l'époque, peut-être que les choses étaient moins connues que maintenant, donc c'est difficile de refaire le passé. Mais il est probable que le fait d'avoir des facteurs de risque comme le tabagisme, d'une part, et d'avoir ces bronchites à répétition qui ne sont pas toujours obstructives. Donc il faut faire la différence, même les noms sont un peu perturbants, est un facteur qui doit alarmer. Et il est important, je crois, qu'on sache que quand on va
faire des bronchites à répétition et qu'on ait été exposé, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, au tabac, eh bien, il faut certainement mesurer son souffle. C'est relativement indolore, c'est totalement indolore, c'est facile à faire et ça va donner le diagnostic. Avec les demi-mètres là dans lesquels on souffle. Alors les demi-mètres et voir la fonction respiratoire plus complète. Oui. À partir de quel âge peut-on souffrir d'une BPCO ? On peut à peu près à tout âge, mais on n'a globalement pas de BPCO avant l'âge de 40 ans. À l'heure des alertes à la pollution, un malade de BPCO doit-il, le cas échéant, quitter la ville pour la campagne s'il veut avoir la vie sauve ? Alors, j'irai pas jusqu'à... en pleine période de pollution dans toute la France. Hein. Il est clair que ce soit l'hiver, on est en hiver malgré le beau temps qu'on a, ou que ce soit du fait de la pollution plus importante parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent à l'heure actuelle, on a une augmentation tout à fait importante du risque d'exacerbation des faits inflammatoires, de l'obstruction et de la gêne. C'est difficile de savoir s'il faut envoyer les gens à la campagne dans ces conditions-là, parce qu'il y a d'autres conditions. Le déplacement lui-même n'est pas toujours facile. Disons qu'il y a quand même un minimum de précautions à prendre, qui sont celles qui sont recommandées, c'est-à-dire d'éviter de faire des efforts dans ces conditions-là, de s'exposer davantage à la pollution. Parfois, on va avoir cédé par une augmentation de son traitement. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Peut faire et si on peut se mettre à l'abri de la pollution, bien sûr, c'est nécessaire. Marie-France, est-ce que dans ces périodes comme... vous habitez dans quelle région ? J'habite sur Orléans-Nord. Bon, donc une région qui est aussi sensible à la pollution, qui est très polluée, surtout en ce moment. Est-ce que vous êtes une sorte de baromètre de la pollution ? Je ressens. Et j'ai au niveau des petites bronches qui se bouchent complètement. J'ai beaucoup de mal. Quantité d'oxygène ou pas ? Oui. Je augmente un petit peu, mais bon, pas trop, parce qu'après, les carbones... Et donc, il y a des périodes de l'année ou des climats qui sont meilleurs pour vous quand il fait très froid, très chaud ? La chaleur me convient pas trop bien. Le froid, moi, je suis à 20 km d'Orléans, donc dans la Beauce, où il y a beaucoup, beaucoup de vent. Alors là, le vent, c'est pareil, ça me rentre dans les poumons, je ne peux plus rien faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour sortir. Hein. Quand c'était en 2002, hein, quand on a fait le diagnostic de la maladie, quand vous êtes ressorti là, vous le disiez sous oxygène et qu'on vous a expliqué ce que vous aviez, vous avez réagi expliqué, comment hein. On ne m'a pas du tout expliqué, je ne savais pas ce que c'était que la BPCO. On vous a dit que vous avez une BPCO Oui, mais bon, j'en ai pas tenu compte parce que comme je ne savais pas ce que c'était... C'est vrai que dans ce terme, il y a bronchite chronique ça ne fait pas peur quand même. Comment vous arrivez à expliquer aux patients que ce n'est pas de la bronchite banale ? C'est pas facile parce que les termes sont très confondants. On confond la bronchite standard aiguë, qui est simplement une inflammation bronchique, notamment à l'occasion d'une virose qui va passer, y compris chez les gens très jeunes. La bronchite chronique est définie par une toux, une expectoration très prolongée, mais qui n'est pas toujours obstructive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir encore, votre schéma était excellent tout à l'heure, montrer que les bronches restent perméables à ce stade-là et l'évolution de l'un vers l'autre n'est pas du tout constante. Par contre, au stade de l'obstruction bronchique, eh bien déjà, des dégâts sont parfois irréversibles et il va falloir bien choisir les termes. Même au niveau médical, on a de la confusion entre nous. Donc il faut essayer de montrer l'exemple. Et là encore, quand on a des chiffres qui mesurent que le débit respiratoire est bas, eh bien on arrive à convaincre un peu les gens qui sont arrivés à un stade de la maladie où il faut faire plus attention. Le tabagisme est-il la seule cause de cette maladie ? Non. En France, de très loin, le tabagisme représente à peu près 80% des causes principales. Mais il y a probablement beaucoup de cofacteurs. On estime environ à 25-30% le nombre de fumeurs. Or, heureusement, dans la France, heureusement, autant de personnes, on a dit tout à l'heure 8% de personnes touchées. Donc, il y a quand même des BPCO chez le non-fumeur et il y a des fumeurs non BPCO. Parmi les autres causes, les causes professionnelles, on l'a souligné tout à l'heure, y compris en milieu agricole. Hein, on a décrit des expositions à d'autres vapeurs ou toxiques ou produits inhalés. Et puis même l'exposition peut-être à la biomasse, c'est-à-dire que dans des pays dits en voie de développement, je pense à l'Inde, à l'Afrique du Sud, eh bien c'est plutôt l'exposition à la vapeur ou fumée de charbon ou de bois qui sont utilisées. Et donc on trouve plus de femmes dans ces pays, en tout cas, qui sont touchées. Et c'est reconnu comme maladie professionnelle ou pas ? Pour certaines, il y a plusieurs tableaux de maladies professionnelles, que ce soit des tableaux agricoles ou des tableaux professionnels. Certaines maladies sont reconnues, que ce soit pour certains mineurs, l'exposition au fer, l'exposition au coton, l'exposition dans le bâtiment et travaux publics, peuvent être reconnus comme pathologie professionnelle. On me demande quelles sont les activités physiques adaptées à ces patients. On va peut-être regarder un reportage, Michel. Oui, parce que faire du sport quand on souffre de BPCO, ça peut sembler impossible pour beaucoup. Pourtant, une activité sportive est bénéfique pour le bien-être des patients. À Tours, l'association L'Espace du Souffle organise des cours de sport adaptés à ces malades. Delphine Renaud et Simon Fichet ont suivi l'un de ces cours. Allez, le bras gauche devant. Voilà, bien devant soi. Inspire, on y va, on souffle. Le même geste que vous avez
Descendez bien sur les jambes, faites travailler les jambes, ce sera bien. C'est ça, chacun sa vitesse. C'est un cours de karaté pas tout à fait comme les autres. Pour ses élèves, enchaîner ces mouvements simples ne va pas de soi. Car ici, tous souffrent de la même maladie respiratoire, la BPCO. On travaille surtout sur la respiration associée avec des mouvements corporels, en fait. Donc, ce qui leur permet de bien prendre conscience de leur corps, de la respiration ventrale et de l'essoufflement, en fait, aussi. Voilà, on essaye de ne pas bouger son corps et on fait attention à son souffle. Ici, chaque posture a son importance. Elle permet aux malades de renforcer leurs muscles, retrouver leur équilibre et travailler leur souffle. La BPCO est caractérisée par une accélération du déclin. Finalement, comme si on vieillissait plus vite sur le plan respiratoire. Donc là, on ralentit le déclin, on le ramène au niveau des personnes de la société non exposées à ce handicap. Et puis, pour un effort donné, on diminue la sensation d'essoufflement, si vous voulez. Donc, en termes de qualité de vie, c'est extrêmement positif. Vous devez enchaîner 6 coups de poing. Avec la respiration, vous allez voir les premières fois, vous allez arriver, tiens, hein, vous allez arriver, vous allez marcher. Voilà, donc on n'oublie pas la respiration. L'autre objectif de ces cours de sport est de redonner de l'autonomie aux patients. Depuis un an, Alain pratique le karaté. Les bénéfices, il les ressent tous les jours. Ben, voilà, très bien ça. J'habite au 3e étage. Si je voulais monter chez moi par les escaliers, j'étais obligé de faire 2 paliers pour arriver au 3e étage. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais un palier par étage. Hein, j'arrivais chez moi au 3e, je rentrais, je m'affalais dans le fauteuil et puis il me fallait du temps pour récupérer. Là maintenant, aujourd'hui, je monte mes 3 escaliers. Je fatigue, mais comme une personne normale. Mais par contre, je sais que si j'arrête les quelques séances de karaté que je fais, la maladie va revenir très vite. Un bénéfice physique évident. Mais pour René, qui pratique le karaté depuis 4 ans, l'impact psychologique est aussi important. À la fin de la séance de karaté, je me sens bien dans mon corps. Je sens que j'ai un corps et qu'il est agréable à vivre. Et puis, on le fait avec d'autres, qui ont les mêmes difficultés. Et on est un groupe qui a... Finalement, on s'épaule un petit peu mutuellement. Dans quelques jours, René reviendra faire du karaté. Pour garder son souffle, elle doit pratiquer le sport 3 fois par semaine. Marie-France, il y a eu un moment où vous avez eu du mal à continuer à travailler, où vous étiez vraiment extrêmement gênée. Depuis 2002, depuis ma BPCO, j'étais déjà en mi-temps thérapeutique, ouais. Parce que bon, on m'a mis en mi-temps thérapeutique. Après, on m'a remis en partiel parce que je ne pouvais plus du tout travailler, donc je faisais 3 heures. À l'époque, j'ai commencé à 15 heures d'oxygène. Mmh. Je suis arrivée à 18 heures, donc ça me permettait d'être 2 à 3 heures pour pouvoir travailler tout en emmenant mon portable et mes arrêts au sol en cas où j'aurais besoin. Mmh. Et arrivé 2009, là, je ne pouvais plus du tout travailler, donc on m'a licenciée. Et du coup, vous faisiez quoi dans la journée? Vous arriviez à bouger un petit peu ou c'était vraiment... Plus rien. Et c'est là que je suis tombée vraiment bas. Très bas, je ne pouvais plus rien faire. D'accord. Je faisais du lit au canapé, du canapé au lit. Je ne pouvais plus monter les escaliers. Je dormais en bas dans la salle à manger. En dehors de, on va parler de réhabilitation respiratoire, différentes choses, mais en dehors de l'oxygène, qu'est-ce qu'on peut proposer une fois que la BPCO est installée? La première chose, c'est évidemment l'éviction de tous les facteurs déclenchants, donc le tabac, mais aussi tout ce qui est exposition professionnelle ou exposition en entourage nocif. La réhabilitation, c'est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a un problème de structure, mais le simple... Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est que cette réhabilitation respiratoire? La réhabilitation, ça consiste à programmer pour une personne donnée quelque chose qui lui soit adapté et qui comprend certes de l'activité physique, mais également une prise en charge globale. On sait que la BPCO touche les poumons, mais retentit beaucoup sur l'ensemble de l'organisme. Mmh. Il y a des retentissements psychiatriques, c'est très anxiogène, c'est déprimant d'avoir une BPCO, on fait plus ce qu'on veut, on se sent rejeté, on se replie sur soi-même. Il y a des conséquences musculaires, des conséquences osseuses, il y a beaucoup plus d'ostéoporose, notamment sur les personnes qui ont déjà un certain âge. On a également des retentissements cardiovasculaires qui sont très importants, et d'autres qui sont découverts, pas tous les jours, mais régulièrement, rénal, diabète, etc. Mmh. Donc tout ça montre que l'atteinte respiratoire va entraîner des conséquences générales et qu'il faut une prise en charge globale. Et d'accord. C'est ce que doit faire la habitation. D'accord. Il vous a fallu combien de temps pour arrêter de fumer? J'ai fumé 10 ans avec la BPCO. Mmh. Ça fait 2 ans au mois de novembre que j'ai arrêté de fumer. Et vous constatez une différence ou pas? Ah oui. Ouais. Vous respirez mieux maintenant? Oui. Après 3-4 hospitalisations dues à la cigarette, que j'arrivais pas à...
Ça c'est quelque chose qui étonne toujours les gens qui n'ont pas, eux, de BPCO et qui ne sont pas des tabagiques, en se disant, mais comment, avec une maladie, pareil, on peut continuer à fumer? Et ça, c'est un problème que vous avez régulièrement, parce que ce sont de très gros fumeurs, quand même, qui ont ça. Alors, on a dit qu'il y avait quand même des non-fumeurs qui pouvaient être concernés, mais c'est vrai que la majorité sont des fumeurs et des grands fumeurs. Ça montre la gravité de l'addiction qu'est le tabac. C'est pas facile de s'arrêter de fumer. Et malgré la gravité des choses, on sent bien que les gens continuent à fumer. D'ailleurs, ça fait partie dans certains tests où on fait. Est-ce que quand vous êtes malade, vous continuez à fumer? Et ça prend des points pour dire que l'addiction est encore plus importante. Arrivé à un certain stade, notamment quand on est au stade de l'oxygénothérapie, les gens prennent conscience, parce qu'en plus il y a des dangers d'associer l'oxygénothérapie, qui est un gaz inflammable, avec la cigarette incandescente. Donc là, c'est vraiment tout à fait contre-indiqué. Les études que l'on a qui montrent l'apport de l'oxygénothérapie dans les formes sévères ont été faites chez les personnes qui avaient arrêté de fumer. Le reste, on ne sait pas trop. On nous demande si la cigarette électronique, est-ce que ça annule tout risque d'accentuer la maladie? Alors, les autorités sanitaires se sont pas prononcées. On dit, on ne condamne pas les cigarettes, mais on la conseille pas non plus. Ce qui est assez clair quand même, c'est que, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression qu'on garde la gestuelle, qui est un élément qui est parfois difficile à sevrer, mais les risques, notamment, sont quand même nettement moindres en termes de substances cancérigènes, c'est beaucoup moins concentré. Donc, je pense que ça peut aider un peu, à condition qu'on ne rentre pas la cigarette avec et qu'on essaye de s'en sortir. Est-ce qu'une transplantation de poumons, un changement complètement des poumons, est envisageable quand on a une BPCO? Oui, on a la chance dans le service et dans quelques-uns en France de faire de la transplantation pulmonaire. Cependant, il y a plusieurs éléments. On sait qu'on a des manques d'organes. Donc c'est un organe qui n'est pas facile à conserver, le poumon, de sorte qu'il y a des gens qui meurent en attendant une transplantation pulmonaire, comme on l'a pu voir récemment sur les transplantations cardiaques. On sait également qu'il faut être en état de supporter ce geste, qui est un geste très lourd. Et en pratique, on le fait rarement au-delà de 60-65 ans. Et on va changer un ou deux poumons selon les risques infectieux, la morphologie, l'âge, etc. C'est faisable. On va parler des ateliers thérapeutiques qui permettent d'apprendre à mieux gérer, à connaître la maladie. Ils sont proposés aux patients. Vous voyez ce reportage de Delphine Renaud et Simon Fichet. Souffler pour mieux respirer. Ce sifflet est en réalité un instrument thérapeutique qui permet de soulager l'encombrement des bronches. C'est comme un sifflet avec une bille à l'intérieur. Et cette bille, elle se soulève et elle redescend en fonction de son... Elle est lourde. Elle est lourde. Ouais, elle est lourde à souffler. Et on sent les vibrations quand on fait ça à l'intérieur de sa poitrine. Et à votre avis, qu'est-ce que ça fait, ces vibrations à l'intérieur de la poitrine? Ça va transmettre ces vibrations au mucus. Et le mucus, il va devenir plus fluide. Chaque semaine, ces malades se retrouvent lors d'ateliers thérapeutiques. Tous souffrent de BPCO. Ensemble, ils échangent sur leur expérience de la maladie. L'objectif, c'est de leur redonner confiance dans la gestion de leur maladie au quotidien. C'est qu'ils puissent trouver en eux-mêmes et puis à travers ces échanges les ressources nécessaires pour gérer leur maladie qui est chronique, qui va évoluer dans le temps avec des hauts et des bas, mais pouvoir après donner des réponses adaptées quand ça va pas bien et puis que ça aille le mieux possible, le plus longtemps possible. Par contre, la principale des techniques, c'est quoi? Boire à chaque fois que j'ai envie de tousser. Voilà. Si vous buvez vraiment votre litre 5, vous avez l'effet dont Mathieu parlait tout à l'heure de... Les crachats sont plus fluides et ils vont pas être collés, ils vont pas, voilà, ça va vous aider vous à faire votre diagnostic et votre désencombrement. On apprend plein de techniques sur la façon de se désencombrer les poumons, puis la façon de une nouvelle façon de respirer, quoi, de respirer comme il faut, de façon à, vous voyez, même à pouvoir ne plus être essoufflé en parlant. Et pour cela, il faut apprendre de nouvelles techniques avec des instruments parfois étonnants. Pour bien se désencombrer le nez. C'est un peu comme ce qu'on fait aux petits bébés quand on leur met le sérum physiologique dans le nez. Vous avez déjà vu ça, on leur met le physiologique. Sauf que là, du coup, c'est pour les grands. C'est en plus grande quantité. On y met un petit peu de sel, un peu d'eau tiède. Alors, j'ai perdu en gros un tiers de ma capacité thoracique. Je suis encore assez actif. Et puis, bon, j'essaie de garder en quelque sorte la forme. Et c'est un petit peu pour ça que je viens ici, pour améliorer encore. Bon, vous le faites super bien, monsieur Bordet. Tester de nouvelles techniques, parler, échanger, rire, tout cela participe à améliorer la santé, mais aussi le moral de ces malades. Un moral souvent mis à mal. Un patient sur trois souffre de troubles dépressifs. Marie-France, depuis que vous faites donc cette réhabilitation, plus d'exercices, de la kiné, etc., vous vous sentez comment aujourd'hui? Je me sens mieux. Oui. Je remonte mon escalier.
J'ai remonté à ma chambre pour dormir depuis le mois de septembre. Le moral remonte. Le moral remonte. Ça fait quand même 2 ans et demi que je fais de la kiné. Du reste, je dis merci à mes kinés parce que c'est eux qui ont sorti tous les deux. C'est une autre vie. Hein. J'ai encore du mal à marcher. Je fais 800 mètres avec ma bouteille d'oxygène. Ça, c'est. J'ai encore beaucoup, beaucoup de mal. Combien d'oxygène par jour maintenant? Combien de temps? Là, je suis à 20 heures par jour. D'accord. Si nécessaire, 24. Comme en ce moment, c'est la pollution, je suis à 24 heures sur 24. Hein. D'accord. Mais c'est une autre vie. Je revis, je fais des choses que je ne faisais plus du tout avant. D'accord. C'est pour ça que c'est très, très, très important, la réhabilitation. Hein. Vous n'êtes pas allergique à quelque chose, non? Non, j'ai aucune allergie. Hein. Vous avez de la chance. Alors, j'ai quelqu'un qui a une BPCO et qui est allergique au chat, à un de ses chats. Est-ce qu'elle doit s'en séparer pour récupérer une partie de sa capacité respiratoire? La réponse est oui, a priori. On a parfois beaucoup de confusion entre l'asthme qui donne des maladies assez proches, mais qui ne touche pas exactement le même type d'inflammation. Et qui n'évolue pas en BPCO, mais qui est peut-être un facteur de risque. On disait tout à l'heure que tous les fumeurs ne devaient pas développer une BPCO, mais on se demande si le fait d'avoir eu de l'asthme plutôt plus jeune dans la vie, puisque c'est quand même une maladie qui touche des gens plus jeunes, en général parfois des enfants, n'est pas un facteur qui va aider malheureusement au développement de la BPCO. Donc là, si vous avez un facteur déclenchant clair, malheureusement, il va falloir essayer d'éviter qu'il soit encore présent. Est-ce que les médecins généralistes sont tous équipés pour mesurer le souffle de leurs patients? Alors, la réponse est vraisemblablement non. À l'heure actuelle, des équipements complets sont encombrants, ils sont consommateurs de temps, il faut pouvoir faire souffler les personnes, il faut savoir le faire bien, donc les techniciens sont souvent plus à même de le faire. Mais il y a quand même des petits systèmes, notamment des systèmes électroniques, qui vont permettre de faire du dépistage, ou du moins d'essayer de trouver chez les personnes qui sont à risque une obstruction bronchique, de façon plus fiable que peut l'être, par exemple, les débits de pointe qui sont utilisés dans l'asthme et qui donnent des données plus limitées. Et pour les stages de réhabilitation respiratoire qu'on vient de montrer, comment on fait en pratique? Il faut demander à son pneumologue, il faut demander à la sécu, il faut demander quoi? Tout d'abord, il faut demander à son médecin et puis ensuite au pneumologue qui va connaître les réseaux. Il y a plusieurs façons de faire ces réhabilitations. On peut les faire à domicile en se déplaçant régulièrement pour voir l'équipe qui fait la réhabilitation et qui est centrée souvent par le kinésithérapeute, mais aussi le médecin, mais sur le patient. On peut le faire aussi de façon externe en allant dans des structures qui sont plus équipées et en restant chez soi en allant faire des allers-retours. Et enfin, on peut faire des stages de réhabilitation que vous durez plusieurs semaines dans certaines structures qui ont tout sur place et où on va dormir dans ces structures. Est-ce que quand on a une BPCO, on doit forcément un jour ou l'autre devoir vivre avec un respirateur, comme c'est le cas de Marie-France qui est toujours accompagnée de son respirateur? Non, heureusement non. L'oxygénothérapie s'adresse à des personnes qui ont des besoins d'oxygène, qui ont un taux d'oxygène bas dans le sang, ce qui représente une minorité, c'est peut-être 10% environ de la BPCO, mais c'est la minorité la plus touchée, la plus à risque d'hospitalisation et donc la plus contrainte. Donc heureusement, le développement de l'insuffisance respiratoire avec l'oxygénodépendance n'est pas constante. Il faut la prévenir autant que faire se peut. Et on sait que nos traitements, y compris la réhabilitation, y compris l'arrêt des substances toxiques, y compris la simple activité physique sans aller jusqu'à la réhabilitation, sont des aides indiscutables. Marie-France, vous avez créé un forum sur Internet pour discuter un peu avec d'autres patients. Avec d'autres membres. C'est important. Très important. Ça permet aux gens d'être moins seuls, de pouvoir se contacter vis-à-vis d'une caméra et de voyager un peu avec tout le monde, de prendre contact. C'est très bien, les gens sont très contents d'être sur ce forum. Et vous donnez des conseils entre vous? Voilà, il y a beaucoup de documentation sur la BPCO, du reste. Et il y a autre chose que sur la BPCO, qu'on puisse se contacter, qui apporte beaucoup de bien aux gens. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous garder encore un petit peu parce qu'il y a un chat qui va commencer. Oui, avec notre invité, avec le professeur Sylvain Marchand, Adam. Tous les deux sont à votre disposition à partir du générique de fin de cette émission pendant 1 heure jusqu'à 16h. Pour répondre à vos questions, il faut aller sur le site allodocteur.fr que vous voyez s'afficher et vous posez vos questions et ils y répondent pendant 1 heure. Et puis lundi dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les oligo-éléments. D'ici là, passez un excellent week-end. On l'espère un petit peu moins pollué, ce serait pas mal. Oui, parce que ça commence à gratter un petit peu. À lundi. Au revoir. Allô Docteur vous reçoit sans rendez-vous sur France5.fr.